Bienvenue sur l'arrivée, jusqu'au bout de ton voyage, une magnifique troisième place. Alors vive toi, vive la France, bien sûr, sur le podium du Tour des Géants. D'accord, si on veut dire vive la France, vive le trail organisé dans ces conditions, pour toi, après les pays, ça n'a pas tellement d'importance, je crois. Et quand même très content pour ton résultat, une troisième place qui vaut vraiment beaucoup. Oui, très content, le mot est faible, j'imagine qu'on devrait être tout à fait le même après une course comme ça qu'avant. J'ai essayé de faire un match oui. Et on verra, mais je sais pas qui a eu l'idée d'organiser ça, j'aimerais bien faire sa connaissance, je pense pas que c'est une dame. Ouais, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Merci. Bravo. Allora, cerchiamo un aggettivo per tutti e tre questi atleti. Beh, iniziamo da Ulrike Goss. Hai vinto, hai dominato. Beh, direi magico il tuo Tour des Géants, soprattutto davvero la radosta di inizio e grazie per quello che hai fatto a livello atletico, a livello fisico, ma anche davvero per una carica umana, per una simpatia davvero che ha conquistato noi tutti. E questa è la riprova di quanto hai fatto. Ulrike Goss. Salvador Redondo, semplicemente il cuore della Spagna con l'amico Redondo. E qui allora un aggettivo per la tua sempre sulla rivese, direi d'antemò, d'anteparole, la sagesse, l'amour pour le sport. Guillaume Millet. Là c'est le podium du Tour des Géants, on va les applaudir très, très fort. Grosse